présent, on était là. Quand un striker arrive, on va se protéger pour après rentrer sur le clinch s'il le fait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu reculer, mais on va revenir nous percuter. Parce que je veux pas me percuter, j'ai une percute qui arrive. Soit jambe avant, soit jambe arrière. Admettons, il faut être en droit pied. Vous êtes en recul, recul. Boum, boum. Il a sa jambe en appui. On rentre. Non, on rentre là. Boum. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher à l'intérieur. En ouvert, pardon. D'accord? Donc, on est là. On protège, on ne sait pas trop. On percute, voilà. On rentre. Là, vous êtes trop des chauchotes. Les percus, ça fait mal. Et plus vous réduisez, moins ça fait mal. Entrez, rentrez en contact. Là, vous commencez à faire ça. Le mec sort un petit peu et vous pouvez apparaître en arrière. Ah non, vous ne barrez pas en arrière. Un striker, c'est pas debout. Debout, 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 debout. Un striker, plus vous allez prendre de distance, plus il est à la maison. D'accord? Donc, si à la limite vous êtes là, c'est une galère, shootez. Mais shooter, alors je reprends, ça va. Je reprends la percue, elle se fait avec le talon. Et c'est pas le mal guéri qu'on a l'habitude en jiu-jitsu brésilien un peu dégueulasse des années 90. D'accord? Notre idée, c'est une ouverture. C'est une ouverture et on rentre. D'accord? Ce que j'expliquais hier, c'est qu'il y a plein de styles, surtout du sud-est asiatique, qui avaient des percues en revenant comme ça. On l'a dans le Muay Boran, on l'a dans le Krabi Trabon, on l'a dans le Kali, on l'a dans les Silat, on l'a même en Wing Chun, besoin de faire plus droit. Ce qui est l'idée à la base, c'est aller percuter sur le côté. Et nous, on est des quiches. Ça, c'est trop un angle à la con. Par contre, lever là, être ici, c'est facile. Vous visez avec votre talon. D'accord? Donc, quand le gars, il arrive, 1, 2, on rentre et on insère. Collez vos partenaires. D'accord? Collez. Quoi qu'il arrive, collez. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Vous prenez. Moi, je vais par ici. Bien sûr, on va reviens. Je vais pouvoir travailler. Quand les mecs bossent pas leur lutte, genre, bah ça fait que c'est galère, tu prends des coups. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut lutter. Et lutter, c'est pas je rentre, ah c'est trop dur, je ressors. Lutter, c'est je rentre, j'ai mal, je rentre, j'ai mal, je rentre. Inch'Allah, ça va passer. D'accord? Et je m'arrête pas. Parce que le problème, c'est que quand tu fais ça, que tu prends une petite nounoute parce que monsieur te tape un petit peu et ça fait un peu mal et que tu fais ouais, ça, j'ai caressé, hein. T'es dans la merde. T'es beaucoup plus dans la merde. Hormis s'il a un tight clinch dur où là on risque d'être vraiment pas bien, là vous avez intérêt à lutter. Mais s'il a pas un gros grip énervant pour vous, c'est à vous de pas lâcher. Vous êtes là et c'est chiant et c'est galère et il veut partir et vous revenez et vous restez et vous montrez. Vous, votre job c'est ça, hein. Vous n'êtes pas là pour faire du pied-point. Donc, vous n'êtes pas là pour reculer. Là, j'ai regardé la randori. Vous êtes des chauchotes à reculer. Eh hey, les mecs, faites du sprint dans ce cas-là. Un grappleur, ça doit avancer. Un grappleur, ça doit rentrer. Un grappleur, ça doit péter la distance. Reculer, tu peux pas péter une distance en reculant. Donc oui, ça fait mal. Je reprends ce que disait Will. Ah bah, ça crée des ouvertures. Oui, c'est à nous de nous protéger et d'aller prendre. Par contre, je veux pas avoir de grappleurs à la con qui font ça. Ça fait peur. Mais non. Ça fait peur, normal, il tape. Donc, notre idée, c'est je me protège, boum, je reviens. Je tente de saisir et là, maintenant, c'est ma life. Ce mec est ma life. Je dois pas le laisser partir. C'est pas, oh, c'est un peu dur, il commence à me donner des coups, ça devient un peu fatigant. Ah non, non, non. J'ai du grip, il y a un mur. Et maintenant je me dis, faut que j'y arrive. Et ça va être long, et ça va être dur, et ça va pas être agréable, et peut-être vous allez même pas y arriver. Par contre, on traite ici en train de mourir, et nous dire putain, il saoule, putain, 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 et faire ça. Le mieux, c'est de continuer à avoir mal. Ok? Ok. Donc on reprend juste sur ce mouvement là. On est là, ichni, j'arrive, boum! Percute, bon s'il descend tant mieux, on prend,
On ramène. Ok. Ok. Ah, Jimmy. Qu'est-ce qu'il a énervé comme ça?